La structure de l'économie vietnamienne ces dernières décennies, le Vietnam a transformé avec succès une économie planifiée et centralisée en une économie de marché, déplacer la situation d'un pays pauvre pour se classer actuellement au seuil des pays de revenus moyens. Aujourd'hui, l'ambassade du Vietnam au Maroc a l'honneur d'organiser la cérémonie de la fête nationale, commémorant le 69e anniversaire de la déclaration de l'indépendance nationale de la République démocratique du Vietnam, maintenant la République socialiste du Vietnam. Présent à cette cérémonie, je voudrais souhaiter la bienvenue de Son Excellence ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des formations des cadres du Maroc, M. Lassen Daouidi. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue des représentants des ministères et branches marocaines, des ambassades des pays de l'ASEAN, du corps diplomatique présent à Rabat et des Vietnamo-Marocains. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à vous tous et je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, maintenant, j'ai l'honneur de vous annoncer que la cérémonie de célébration de la 69e fête nationale de la République socialiste du Vietnam commence. L'hymne national du Royaume du Maroc, s'il vous plaît. Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis maintenant d'inviter Son Excellence Ambassadeur de la République Socialiste du Vietnam au Maroc, M. Pham Chien Van, à prendre la parole. Excellencies, Ministers, Excellencies, Ambassadors, and Representatives of International Organizations,
distinguished guests, ladies and gentlemen. 69 years ago, President Ho Chi Minh delivered the Declaration of Independence, solemnly announcing to the Vietnamese people and the world the coming into being of the Democratic Republic of Vietnam, now the Socialist Republic of Vietnam. This is a great achievement, creating a new page in history, national safeguard construction of the Vietnamese people. During the past 69 years, the Vietnamese people have united as one to courageously and resiliently overcome difficulties, hardships in their struggle for protection and construction of the country, and in their strife to contribute to promoting peace, security, friendship, and progress in the region and all over the world. Vietnam has maintained rapid economic growth and improved the spiritual and material life of the people. In the social cultural sectors, many important achievements have been reached. In national defense, security has been ensured. Political and social stability has been maintained. The strength of Vietnam has immensely been enhanced, creating new advantage and force for the country's further development with brilliant perspective. National prestige and position has continuously been heightened in the international arena. Vietnam persistently pursues the foreign policy of self-reliance, independence, proactive, positive, and comprehensive integration into the world, being a good and confidential friend and partner to other members of international community, and peaceful settlement of all international and regional differences and disputes. Today, Vietnam constitutes an active member of ASEAN and is trying our utmost to successfully build ASEAN community. Vietnam is a member of many regional and international important organizations and has diplomatic relations with 184 countries in the world, and successfully creates framework for stable and close relationship with world-leading partners. Mesdames et Messieurs, depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1961, les relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Mao sont toujours développées et ont obtenu ces dernières années des résultats satisfaisants dans tous les plans politiques, économiques, commerciaux et culturels. Les deux pays ont maintenu des échanges de visites de délégations à tous les niveaux. Tous les deux ans, le comité mixte vietnamien-marocain et la consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères sont tenues dans le but de renforcer la coopération globale entre les deux parties. En 2013, le Maroc a reconnu l'économie du Vietnam comme une économie de marché. L'accord commercial bilatéral qui est entré en vigueur en 2013 constitue une base juridique importante pour les deux parties à renforcer la coopération dans le commerce. Les deux pays viendront accomplir les procédures pour donner effet à des accords sur la promotion et protection des investissements
et de coopération dans le tourisme. Chaque année, le gouvernement marocain accorde des bourses à des étudiants vietnamiens à étudier au Maroc. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Vietnam congratulates the Moroccan people for the brilliant successes achieved under the leadership of His Majesty King Mohammed VI in the construction and development of the country in the past 15 years, among which are the constitution adopted in 2011, modern infrastructure system reaching all regions of the country, outstanding subject, successful projects such as Green Plan, so on and so forth. Those actively contribute to the development and improvement of living conditions, to combating poverty, to eliminate discriminatory treatment, to serving to the common prosperity of all the peoples. Vietnam highly appreciates the role of Morocco in the multinational and regional forum, including the United Nations and non-aligned movement, as well as her positive contribution to international peace, security, and stability. We are confident that with the efforts of two peoples, the relationships of friendship and cooperation in various fields between Vietnam and Morocco will reach further new heights and meet the interests of the people of the two nations and contribute to strengthening peace, security, stability, and sustainable development in the region and all over the world. Thank you very much for your attention. Shukran. Je vous remercie. Nous sommes extrêmement ambassadeurs pour votre intervention. Merci à vous tous.